Bon, alors on a très peu de PA cette semaine, donc on verra ce que ça donne pour cette session live. Et si vraiment on est short et qu'on est à court de PA et que c'est chiant, je passerai à la caisse. Dans tous les cas, jouons à Break Basket. Et dire qu'au début je disais « Ah, je vois pas qui fait ça tous les jours !» Bah toi en fait, ma vieille. Tout ça pour deux PA ! C'est un dialogue, une ligne de dialogue. Lisandre a fini par interrompre notre baiser, mais il ne m'a pas lâché pour autant. Le cœur battant, je l'ai regardé sans rien dire, tandis qu'il me caressait distraitement la joue. Je n'avais pas vraiment prévu ça, mais je suis bien avec toi. Ça y est, on dirait qu'on va se marier. Je ne suis pas très douée pour les relations en général, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah non! Je vous l'avais dit qu'avec lui, on allait avoir une trop grosse charge mentale! C'était sûr, on fait quoi maintenant? Comment ça, on fait quoi maintenant? Bah, je sais pas, on va en cours en fait, on est au lycée. Je voudrais qu'on prenne le temps de voir comment ça se passe entre nous avant de mettre les autres au courant. Je vois, tu as peur de ce que les gens du lycée pourraient penser? Je veux juste qu'on garde ça pour nous pour l'instant, ça ne regarde personne d'autre. Ok, donc Sucrète décide pour moi de ce qu'elle veut faire. Ça ne me pose pas de problème, les autres m'apportent peu dans cette histoire. C'est toi qui comptes. Oh non, non. On devrait quand même aller faire un tour au gymnase, voir ce qui se passe. Il a déposé un baiser sur mon front et nous sommes mis en route. Un baiser sur mon front! Ah ah, je vous tiens tous les deux, vous ne pouvez plus nier maintenant. Alex, respire, j'avais l'intention de te le dire. Je croyais que tu voulais qu'on garde ça pour nous. Tu n'aurais pas pu de toute manière, j'avais déjà deviné. Oula, Lisandre n'a pas l'air d'apprécier son côté envahissant. Non mais ça c'est sûr, c'était sûr. C'est un peu bizarre de la part de Sucrète de dire qu'on gardait ça secret pour au final dire je comptais te le dire Alexis. Enfin, de toute façon je suis sûre que tout le monde va le savoir au final. Mince, la réunion est terminée. Mon regard a croisé le sien et il y a eu un moment de gêne. Viens, on se regaloche. J'aurais aimé l'embrasser à nouveau mais c'est tellement nouveau que je ne suis pas encore très à l'aise. Ah bah c'était vraiment ça, elle voulait vraiment le regalocher. T'étais pas là à la réunion hier? Non, j'étais occupée à rouler des pelles dans les couloirs. Le lycée organise une journée de l'art. Apparemment, on va devoir travailler en groupe sur un projet commun avec un thème donné. Ah mais ça a l'air trop bien. Et quand est-ce qu'elle a lieu cette journée de l'art? Demain. Ah oui d'accord. Monsieur Farès va nous répartir en plusieurs groupes dès aujourd'hui, nous allons aider à installer le matériel. J'ai envie d'en discuter avec Lisandre et voir ce qu'il pense de cette journée de l'art. Non mais Lisandre c'est un artiste dans l'âme, non? J'ai bien cru que tu n'étais pas là aujourd'hui. Avec ce décor, j'ai l'impression qu'on est dans Twilight, là, dans le cours de science. Il s'est approché de moi et m'a pris la main. Il s'est penché pour m'embrasser. Non mais elle a une vie de fou, Sucrète, en fait. J'ai regardé de tous les côtés, j'ai tendu l'oreille pour vérifier qu'il n'y avait personne dans les parages. Non mais faut qu'elle arrête, elle en fait trop. Sucrète, tu te prends trop la tête. C'est bon, laisse-toi aller. Un peu de spontanéité, merde. J'aimerais bien travailler avec lui pour la journée de l'art, mais je sais aussi que ça ne serait pas le meilleur moyen de se cacher. Qu'est-ce que vous avez choisi, vous, comme atelier? Photo, je m'y connais un peu et j'ose espérer qu'on ne m'empêchera pas de m'exprimer à travers ça. Bah écoute, Peggy va faire un blocus devant le lycée en fait, je t'en prie. Et toi, Sucrète? Bah moi j'ai choisi la sculpture, j'en ai jamais fait mais je me suis dit que ça pourrait être sympa. Mademoiselle, je vous prierai d'aller en salle des professeurs. Il y a des choses à déplacer jusqu'au gymnase. Elle est insupportable cette professeure. La salle des profs est ouverte. C'est Lisandre! Il est en train de rassembler des cartons! Lisandre, je sais que tu es d'un naturel distrait, mais là j'ai vraiment l'impression que quelque chose ne va pas et ça m'inquiète. J'étais simplement concentrée sur ce que je faisais. Il veut me quitter ou quoi? Sucrète qu'en fait des caisses. C'est toi qu'ils ont envoyé pour m'aider alors? Mec, t'as un problème? Il a changé de sujet, mais à le voir sourire comme ça, j'ai pas envie d'insister. Mais après, c'est possible qu'il se vexe parce qu'on a envie de cacher notre relation au grand jour aussi. Hein. Je me suis accroupie près de lui pour l'aider à rassembler les cartons. Sucrète, il faut que tu le renifles. Mais progressivement, il a semblé se perdre dans ses pensées une fois de plus. Oh, quelle idée de merde de se mettre avec un rêveur. Il faut que je lui montre que je suis là pour lui. Ça me blesse son attitude. S'il ne veut pas me parler, je ne parlerai pas non plus. Oh non. Mon cœur me donne envie de répondre l'abbé. En mode, ben mec, en fait, si tu veux pas me parler, je vais pas te parler non plus, espèce de connard. Mais avec le recul et la maturité que j'ai acquis au fil des années, évidemment, jamais de la vie je ne répondrai l'abbé. Je répondrai... sagement, la A. Il faut que je lui montre que je suis là pour lui, alors qu'en fait j'ai envie de tirer la gueule. Au même moment, il a fait tomber une pile de feuilles posée sur une table basse. Bon sang. Il a commencé à tout ramasser avec des gestes nerveux. Ça lui ressemble si peu. Je suis désolée, je suis encore plus maladroit que d'habitude aujourd'hui. On dirait qu'il est triste, le pauvre. Sans réfléchir plus longtemps, je me suis redressée pour l'embrasser. Oui, je vous ai dans la salle des profs, c'est bon alors? On ne les arrête plus après 1000 chapitres de chasteté. Je suis content qu'on soit dans le même groupe demain. Et ça va être intéressant d'apprendre la sculpture sur bois. J'ai l'impression qu'il dit ça machinalement, comme s'il se sentait pas vraiment concerné. Je suis sûre qu'il est encore préoccupé, ça me tue de pas savoir ce qui se passe. Tu sembles contrarié. Ben, je te retourne la remarque en fait. Je comprends que tout cela t'intrigue, je finirai par t'en parler. Mais j'attends d'être prêt. Est-ce qu'il ose pas me dire qu'il est puceau? Puceau? Moi? Je sais pas.
Oui, je sais pas, il veut pas me dire quoi. Il veut pas me dire quoi? Est-ce que c'est un vampire? Je suis gay, Sucrète. Non! La dernière fois que quelqu'un a dit à Ultia qu'il était gay, il a pris une patate dans la gueule. C'est la journée de l'art, du coup je sors mon débardeur I Love Art. En cette journée un peu particulière, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Monsieur Pierrick Savin, notre intervenant en art. Ne nous embarrassons pas de formalités, vous devez avoir l'esprit le plus libre possible pour aborder cette journée. L'art se réinvente aussi par la spontanéité. Complètement oui! L'atelier sculpture, veuillez me suivre. Super, on est avec Madame Delaney, je suis au fond du seau. Tout ce que vous avez à retenir, c'est votre thème, péché capital. Vous voulez dire qu'on va devoir choisir l'un des 7 péchés capitaux et en faire une sculpture? Ah ok. Bon, déjà je vais pas choisir la luxure, j'ose même pas imaginer la réaction des autres. En plus, ça donnerait sûrement quelque chose de gênant à sculpter. Quelqu'un peut venir à mon secours? C'est horrible, ce que je fais ne ressemble vraiment à rien. Je suis sûre que tu te sous-estimes une fois de plus, ça ne peut pas être si... Regardez, ça va être horrible, je pense. Ah, si en fait, c'est immonde. Bon, c'est pas grave, viens. Il m'a conduite jusqu'à sa propre planche. Montre-moi comment tu t'y prends. Comme ça? Il s'est placé derrière moi et a serré mes mains dans les siennes. Comme au golf. Ton angle n'est pas bon, incline ton ciseau de cette manière. Ah d'accord, j'incline. Oh non! Sucrète est trop moche! À chaque fois, elle est trop laide! C'est elle qui est un vampire tueur d'enfants! Mais oui, elle fait peur en vrai. Plutôt impressionnante cette planche. L'œuvre n'est pas encore terminée, mais le sentiment est déjà là. Toutefois, ça risque de ne pas être suffisant si vous voulez être mise à l'honneur de l'exposition. Ah, attendez, qui dit exposition dit journée porte ouverte, non? C'est exact. Vos parents et tous autres invités pourront venir apprécier votre travail. Mes parents, Lisandre, dans le même lieu. Bon sang, il faut absolument que je parle à Lisandre en privé. Je n'ai pas pu parler à mes parents de la journée porte ouverte de demain, mais ils vont peut-être venir, alors... Alors, tu veux qu'on continue à être discret? Il ne s'agira pas simplement d'être discret. Mon père s'est transformé en vrai radar à garçon. Mais pourquoi? Le mieux, ça serait que... Que quoi? Tu ne veux pas que je t'adresse la parole de la journée? Je suis désolée. Mais c'est de la merde, cette histoire-là, ça m'énerve. Mais tout ça pour les parents, enfin, c'est de la merde. Coucou, toi. Surprise. Letty? Ça faisait longtemps, pas vrai, tu m'as manqué. J'ai pas eu le temps de prévenir, mais j'ai pris quelques affaires et je me demandais si je pouvais venir dormir chez toi ce soir. Ah, bonjour, Letty, je ne m'attendais pas du tout à te voir ici. Je voulais faire une surprise à Sucrète. Nos soirées entre filles me manquaient, ça vous dérange si je reste dormir? Tu sais bien que je t'aime beaucoup, Letty, mais Sucrète a dû oublier te dire qu'elle était punie. J'ai pas oublié, enfin... Je vois que tu as déjà tes affaires. Bon, c'est difficile de refuser, entre donc. Je suis encore un peu abasourdie. Bon, par contre, elle s'est un peu invitée, là. Bonsoir, Letty, ça faisait longtemps. Ah, mon père est rentré aussi, il va falloir que je parle de la journée porte ouverte. Le lycée a lancé une journée porte ouverte à la dernière minute, c'est demain et tous les parents sont invités, ainsi que les amis apparemment. Non mais ça va, ils vont pas poser un jour de congé des dernières minutes. Ça veut dire que je peux venir moi aussi? J'aurais beaucoup aimé voir ce que tu as fait ma chérie, mais ils auraient dû prévenir plus tôt que je puisse poser ma journée. Oui, enfin, voilà, c'était sûr. Pour moi, il n'y a pas de problème, je t'accompagnerai avec plaisir. C'est bien ma veine. Si j'avais pu choisir, j'aurais préféré faire venir ma mère. Le lendemain. Allez, il est temps de partir. Je suis un peu perdue dans cette ville. Pourtant, tu avais su trouver le lycée toute seule la dernière fois, non? Tu penses? J'avais dû demander mon chemin une dizaine de fois. Tu vas voir, c'est pas très loin et c'est pas bien compliqué non plus. C'est par là, suis-moi. Et voilà, tu vois, c'était pas... Letty? Mais comment on a pu la perdre? Cette fois, je suis sur la bonne piste, il ne pourra plus me mentir. Tu parles de Lisandre? Il a besoin d'aide, maintenant que je sais ce qui se passe, je serai là pour lui. Putain, mais qu'est-ce qui me cache en fait? Letty, bon sang, mais comment on a pu se perdre? Je me suis laissée distraire quand j'ai aperçu les vitrines des boutiques près de chez toi, je suis désolée. Ton ami m'a conduite jusqu'au lycée, c'était trop mignon. C'était la moindre des choses. J'ai voulu lui adresser un sourire, mais volontairement ou pas, il regarde ailleurs. Bah en fait, tu fais que de la merde depuis le début de votre relation, Sucrète. Rapide comme l'éclair, elle a agrippé son bras et l'a embrassé sur la... Quoi? Elle lui a agrippé son bras et elle l'a embrassé sur la joue. C'est quoi ce lycée fantôme? Y a pas un chat ici? Peut-être que très peu de gens sont venus aider. Besoin d'elle, les filles? C'est pas vrai, cette voix. Oh! Mais c'est Take. Ne reste pas à rien faire, dis-lui quelque chose. Tu veux ma photo? Pourquoi pas, approche. La peinture et la sculpture sont dans la cour. Ça fait bizarre de voir une œuvre sur laquelle on a travaillé exposée aux yeux de tous. J'ai hâte que les parents commencent à arriver. Ça veut dire que je vais voir tes parents? Oh non, comme si j'avais besoin de ça. Avant que j'aie pu comprendre ce qui m'arrivait, il m'avait attiré contre lui pour m'ébouriffer les cheveux. Je peux savoir ce qui se passe? Ah! Lisandre est jaloux! Il me met vraiment mal à l'aise, ton pote. Il est un peu bizarre. Raison de plus pour que vous vous en alliez. Bah bonne chance pour le faire partir, ça fait une heure que j'essaie. T'as pas dû essayer assez. Il a passé son bras autour de mes épaules!
Cette fois, ça suffit! Mais Lisande, qu'est-ce qui t'arrive? C'est vrai que c'est la première fois que je le vois comme ça. Bon, on se voit plus tard, Sucrète, quand ton pote sera calmé. J'ai croisé le regard de Lisandre, mais il a immédiatement tourné les talons. Cette fois, je ne vais pas le laisser partir comme ça. Mais c'est notre faute, en fait! C'est nous qui demandons à Lisandre de s'éloigner constamment. Je vais le suivre et lui présenter mes excuses, comme je l'avais décidé. Je croyais qu'on ne devait plus s'adresser la parole. Mais oui, en fait, c'est notre faute, je suis désolée, mais... Justement, je voulais te dire je suis désolée pour ce que je t'ai dit hier. Je suis allée trop loin, oui. Je pense aussi. Ça me fait beaucoup de peine que tu sois fâchée contre moi. Au même moment, des grésillements se sont fait entendre dans le haut-parleur. Votre attention, s'il vous plaît. Le lycée va bientôt ouvrir ses portes pour accueillir vos familles ainsi que les autres personnes extérieures au lycée souhaitant assister à l'exposition. Lisandre et moi, nous sommes regardés un peu déstabilisés. Nous parlerons de tout ça plus tard. Tu devrais aller accueillir tes parents. Et tes parents, à toi, ils ont pu faire le déplacement ? Aïe, 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 Lisandre ? Non, ils ne viendront pas. Bah en fait, c'est vrai qu'ils ont 85 ans, donc du coup, ils vont peut-être passer l'arme à gauche. Il faut que je te laisse. Il avait l'air triste. Est-ce qu'il aurait des problèmes avec ses parents ? Ça expliquerait peut-être son attitude ces derniers jours. Ses parents sont malades et ou en fin de vie. Il nous le dit même pas et nous, on le rejette. Franchement, c'est horrible. Mais je l'avais dit, hein. Mes enfants avec Lisandre ne pourront jamais rencontrer leurs grands-parents, je l'avais colle. Tandis que mon père entamait la discussion avec la mère d'Iris, j'ai vu Dake passer un peu plus loin. Il m'a regardé, il a fait le lien avec mon père. Oh non, il va parler à mon père, tout mais pas ça. Si je m'éclipse, il n'osera sûrement pas lui parler. Allez, ciao. Objectif, fuir. Oh ! Mais c'est que des photos de Mélodie. Le sous-sol creepy. J'ai remarqué Nina qui fendait la foule pour atteindre Lisandre. Apparemment, il l'a remarqué aussi. Il s'est éclipsé discrètement en direction des couloirs. Je ferais peut-être mieux de le prévenir qu'elle croit avoir des infos sur lui. Lisandre ? Oh non, il a encore l'air triste, ça me rend folle de ne pas savoir ce qui se passe. Mais c'est ta faute en fait si tu sais pas ce qui se passe, Sucrète. Elle veut encore insister pour tout savoir, je n'ai pas trop la force de lui parler. Mais qu'est-ce qui se passe, Lisandre, dis-nous tout. Il est possible qu'elle ait vu des choses, oui, mais je ne pense pas qu'elle puisse avoir tout deviné. Sans réfléchir davantage, je me suis avancée pour le prendre dans mes bras, ou je ne sais pas s'il m'en veut encore, je n'ose pas... Non mais vas-y, je vais foncer dans ses bras. Il a passé sa main derrière ma nuque et m'a embrassée avec une fougue dont je ne l'aurais jamais cru capable. Enfin. Parce que c'était déprimant cette histoire. Je suis désolée pour tout. Il faut vraiment que j'arrête de trop me prendre la tête. Visiblement, tu as des problèmes autrement plus graves que de gérer mes exigences en ce moment. Jamais je ne te considérerai comme un problème, sache-le. Au même moment, des bruits de voix ont retenti dans le couloir. La porte s'est ouverte à la volée. Bon, t'avais raison, ça sent pas bon cette histoire de photo. J'aurais peut-être dû faire autrement, je vais encore me retrouver avec un scandale sur les bras. Comme on travaillait sur l'envie et qu'elle n'arrêtait pas de couver Nathaniel des yeux, j'ai pensé que ça serait une bonne idée de... Enfin bref, elle n'apprécie pas d'être au centre de l'attention pour ça apparemment. Tu m'étonnes. Elle est en train de causer droit à l'image avec Pierrick. Je vais y retourner pour défendre mon projet si ça vous dit de venir assister au spectacle. J'ai regardé Lisandre, je n'ai pas du tout envie de le laisser. Vas-y, Sucrète, ça va aller. Il a secoué la tête pour me signifier de ne pas insister, puis il a quitté la salle. Voilà, qu'est-ce qu'il est mystérieux. Oula, ça n'a pas l'air de rigoler. Vois ça uniquement comme un parti pris artistique. Tu m'excuseras, mais j'ai un peu de mal. Mets-toi à ma place 2 minutes. On se calme, mesdemoiselles. Je crois que nous avons tous besoin d'une mise au point. Tout ça m'a l'air bien controversé. Oh, papa, je t'avais pas vu arriver. Je m'attendais pas à un tel débat pour une exposition de lycéens, mais après tout, une œuvre d'art fait souvent scandale lorsqu'elle est de qualité. Papa, il se cancelle. Tout à fait d'accord avec vous, Pierrick, il se cancelle. Beaucoup de monde s'affaire dans le gymnase. Et quelque part au milieu de la foule, il y a... Letty et Dake. Je peux te parler en privé 2 minutes ? Viens, Sucrète, on n'a qu'à aller au vestiaire. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, t'inquiète. Je te mentais pas quand je disais que t'étais encore plus attirante qu'avant. Tu sais, j'ai jamais oublié le jour où on s'est embrassé à la plage. Oui, c'était sympa. Pourquoi tu dis ça, Sucrète? Je pense que le mieux serait de retenter l'expérience pour que tu te rappelles. Pardon? Oh! La porte des vestiaires a claqué avec fracas tandis que Dake se rapprochait de moi. C'est Lisandre, il ne dit rien, mais je ne l'ai jamais vu dans un tel état. Mais j'ai rien fait! Qu'est-ce qu'il y a encore? Lisandre s'est avancé d'un air menaçant. Mon problème, c'est que vous passez votre temps à rôder autour de Sucrète et ma patience a des limites. Il le vous voit, J-Pep. Du calme, elle t'appartient pas que je sache. À moins que... Il m'a regardé. Son expression a totalement changé. Oh! Comme si le fait d'avoir un copain était la seule raison pour laquelle une fille pourrait lui dire non. Waouh! Un élan de lucidité dans Amour Sucré? Dis donc, demain il neige. Hein. Bon, j'ai compris, je m'en vais. Au fait, Sucrète, si jamais tu changes d'avis, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon sang, Dake. Non mais vas-y, Comment il fait pour garder son calme, Lisandre, là? Lisandre, je te jure qu'il n'y a rien entre lui et moi. Il était juste venu me dire... Non, je ne veux pas entendre ça. Oh non, il va s'imaginer des choses. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas utile. J'ai confiance en toi. Ah, il a confiance en nous. Le GOAT.
L'homme parfait, la relation saine. Votre attention, s'il vous plaît, cette journée de l'art touche à sa fin. Nous demandons à tout le monde de bien vouloir se rendre dans la cour où Monsieur Savin rendra son verdict pour le concours. Quel que soit le résultat, je suis fière de ton travail, ma puce. Nous avons échangé un regard complice. J'ai le cœur tellement plus léger qu'au début de la journée. J'ai réussi à renouer le dialogue avec mon père et à me réconcilier avec Lysandre. Il y a juste ce mystère qui plane autour de lui et qui m'inquiète, mais je serai bientôt fixée. J'ai rarement vu notre cour aussi pleine de monde. J'arrive même pas à percevoir mon père, ni Lysandre. Je tiens à féliciter tous les élèves qui ont apporté leur contribution à cette journée de l'art. Ça a été dur de vous départager, mais finalement, il y a bien une œuvre qui sort du lot. Cette œuvre, c'est la peinture sur le thème de la colère, réalisée par Violette, Iris et Castiel. Ah mince, on n'a pas été à la hauteur. Cette œuvre sera conservée au CDI, où vous pourrez... Ah, mon père me fait des signes. Je fais quelques pas vers lui. Au même moment, j'ai entendu des gens... Oh non, 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 ça pue la merde. J'ai entendu des gens se disputer à quelques mètres derrière moi. C'est Lysandre et Nina, ils se tiennent un peu à l'écart. Tu es allé trop loin, il s'agit de mon père. Mais j'essayais de... Tu m'as espionné jusqu'à l'hôpital, t'es complètement folle! C'est donc ça, le père de Lysandre doit être blessé ou très malade? Elle sanglote, elle a vraiment l'air d'une petite fille, peut-être parce que c'en est une. Je me suis dirigée vers eux d'un pas mal assuré. Nina s'est agrippée au bras de Lysandre, pleurant à chaudes larmes sur sa manche. Lâche-moi! Il s'est dégagé d'un coup sec. Nina a reculé d'un pas, bouleversée. Le masque de colère de Lysandre est tombé quasi instantanément pour laisser place au remords. Il s'était lancé à sa poursuite. Nina s'enfuit au loin, en direction du parc. Devant les grilles, Madame Delaney, qui observe la scène avec stupeur, qu'est-ce qu'elle peut bien faire en dehors du lycée? Lysandre est passée devant elle à toute allure pour rattraper Nina. Soudain, j'ai entendu un bruit de moteur et mon sang n'a fait qu'un tour. Lysandre ne voit pas la voiture qui est arrivée du côté gauche. La voiture a freiné dans un crissement de pneus effroyable, mais elle était bien trop proche. Quelques instants plus tard, Lysandre gisait sur le sol, parfaitement immobile. Bon bah il est mort. Bon bah tant pis, on ira se consoler avec Nathaniel.